tous, je commence ce vlog en vous annonçant que tout le mois de septembre, on a décidé de vous glisser des petits cadeaux en fait dans chaque commande que vous passerez sur le site. Voilà, donc je voulais vous commencer ce vlog par cette annonce. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est des petits cadeaux en lien avec la saison d'automne qui arrive. En lien aussi avec un petit clin d'œil sur le tarot renard et le bout tarot. J'espère que ça vous fera plaisir.
Bonjour, on est lundi en fin d'après-midi, puis pour une fois, je ne vous retrouve pas dans mon bureau, mais dans mon jardin. Mon minuscule petit jardin, mais très agréable. Là derrière, j'ai de la verveine citronnée, ça sent très très bon, et je m'en fais de l'infusion froide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, de l'infusion froide depuis le début de l'été, et c'est super agréable. En fait, on prend quelques feuilles, hein, on les met dans de l'eau, on laisse infuser au frigo, on laisse beaucoup plus infuser que si l'eau était chaude. Donc généralement toute une nuit. Et ça sent super bon, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Vous pouvez faire ça avec de la menthe, avec tout un tas de choses. Et donc voilà, ça y est, les vacances sont sur le point de se terminer. Là, j'avais besoin de faire une petite pause parce que finalement, on est... revenu de vacances, donc je vous posterai quelques images peut-être juste avant d'ailleurs, juste avant ce petit intermède dans le jardin. On était parti une semaine récupérer notre petite puce et puis faire un petit coucou à toute la famille qu'on n'a pas vue depuis quand même pas mal de temps entre les divers confinements. On n'habite pas très très loin, enfin on habite à 2h30 de route, 3h de route, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Moi j'ai eu des petites déconvenues, je vous en ai posté un petit peu sur Instagram, puisque du coup, vous savez, normalement je devais me faire opérer le 1er août, le 4 août, puis finalement ça a été reporté au 1er septembre, et puis à Toulouse, dans la région Occitanie, hein, pas forcément que à Toulouse, mais on est en plan blanc. Le plan blanc, c'est un plan qui est activé dans les hôpitaux quand il n'y a plus beaucoup de place en réanimation. Alors d'habitude, c'est plutôt au moment des grosses épidémies de grippe, par exemple l'hiver, quand il y a beaucoup de grippe l'hiver. Ou alors au moment des attentats, par exemple, quand il y a des problèmes graves comme ça qui nécessitent que beaucoup de personnes soient hospitalisées d'un coup. C'est très régional, hein, d'habitude. C'est un plan blanc qui est activé dans une ville ou dans une région, pour le cas par exemple des grippes, et puis sur quelques jours. Et finalement, avec toutes ces histoires de Covid, de vaccination, etc. En Occitanie, ils ont décidé d'activer le plan blanc, ce qui fait que toutes les opérations qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas vitales, sont annulées pour laisser la place au futur peut-être éventuel problème pour la réanimation. Donc c'est une prévision qui est faite. Et les médecins, les infirmiers, tout ça sont tous rappelés. En fait, s'ils sont partis en vacances, bah, dommage pour eux. Voilà. Donc dommage pour les patients, dommage pour pour le personnel soignant. C'est une situation qui est quand même compliquée. Puis c'est vrai que ce sont des choses qui, depuis 2 ans, se font régulièrement, alors que c'est vrai que c'était pas la norme avant. Voilà. Donc là, je suis, moi, à mon petit niveau, personnellement, très embêtée parce que cette première annulation en août n'était pas vraiment due de mon fait non plus. Donc j'attendais impatiemment septembre en me disant courage, courage, je peux tenir un mois de plus. Et maintenant, on ne sait pas du tout quand ça va être reporté, sans doute en novembre. Quand ils m'ont dit ça, je me suis dit mais non. C'est pas possible, pas en novembre, vous pouvez pas me faire ça, je peux pas traîner ça encore 3 mois de plus. Je veux bien que ce soit pas vital, mais en attendant, moi ça m'empêche complètement de vivre. Donc non, puis ça a des conséquences assez sérieuses parce que je suis censée prendre aussi des médicaments pour soigner la maladie auto-immune que j'ai. Puis ça, j'ai retardé justement pour d'abord faire cette fameuse opération en pensant qu'elle se ferait en août. Ensuite, on n'en entendrait plus parler, ce serait fait, et puis je pourrais passer à autre chose. Et non, quoi, en novembre, entre août et novembre, ça laisse un gros laps de temps. Donc voilà, j'en suis là, et du coup, c'est vrai que vous connaissez cette citation, on essaie de... Il ne faut pas attendre que la pluie passe, il faut apprendre à danser sous la pluie, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi. D'accepter, de voir comment je peux faire, de m'adapter au mieux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours. C'est compliqué. C'est surtout, j'apprends à gérer la peur qui est liée
à la douleur que ça peut engendrer, parce que quand on a des douleurs ou comment dire, des gènes dont on n'a absolument pas l'habitude, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, des fois, j'ai du mal à respirer, donc je panique un petit peu. Ça me provoque ce genre de choses. Ça me provoque soit des difficultés un petit peu à respirer, soit y a des moments où j'arrive plus du tout à manger parce que j'arrive plus à faire le mouvement d'avaler avec la gorge. Tout ça pour une petite bêtise qui, en une heure, enfin, on m'en perd, ça dure une heure et ensuite ce serait passé. Et en fait, ça dure, et c'est vrai que voilà, faut apprendre à gérer la peur liée à la douleur et à la gêne. Et ça, c'est ce que je me dis. C'est là où moi je peux agir en tout cas. Je peux pas agir sur ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Je peux pas le faire sortir toute seule, hein. C'est pas possible. Donc on gère le reste. Voilà. Bon, écoutez, moi je suis assez contente quand même de ces petites vacances, même si j'ai pas pu faire grand chose à cause de cette gêne là qui m'a maintenue un peu à l'écart de tout. J'ai quand même profité pour faire les choses à mon rythme, et puis c'était agréable. Là on est revenu, du coup on a quand même quelques jours, on devait prendre jusqu'au 2 septembre, le moment de la rentrée. Et puis ma fille s'est fait inviter pendant 2 jours à faire du camping avec une amie, donc aujourd'hui j'ai pas pu m'en empêcher, je me suis remise à travailler. Ce qui n'était pas une bonne chose, c'est pour ça là je me suis dit je vais faire une petite pause dehors avec vous. Vous raconter un petit peu tout ça, vous raconter mes petites histoires. Et puis voilà, en fait, j'ai repris tout doucement les commandes, comme ça je me suis dit, les gens seront contents de les recevoir un petit peu plus tôt. J'avais dit que je les enverrais le 2, finalement, ils partiront demain matin, tout est fait. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, je suis en train de me renseigner d'ailleurs pour vraiment déléguer cette partie des commandes. Pour pouvoir justement me consacrer à d'autres choses que juste l'envoi des commandes. Pas juste, parce que je fais plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir se plonger à fond plutôt dans la création, même si vous savez que j'aime bien quand même préparer les colis. C'est vrai que c'est un petit moment que j'aime bien, mais c'est vrai qu'après, suivant certaines périodes, ça devient assez chronophage et c'est dommage. Donc voilà. Il faut que je fasse un petit peu le bilan de là où j'en suis, parce que j'ai pas mal avancé au final pour en juillet-août. Je pensais terminer le bout à rond au moment d'octobre, et finalement j'ai déjà tout terminé avant de partir en vacances en septembre. Alors tout terminé les illustrations, et j'ai même presque terminé, je crois qu'il m'en manque 4, j'ai presque terminé en fait le montage des illustrations. Voilà, donc il me reste la boîte à faire, bien sûr. Il y a un effet un peu spécial que j'aimerais faire sur le jeu. Je voudrais vraiment voir avec mon imprimeur si c'est possible, donc ça va nécessiter au moins un mois de discussion avec lui. Ça, je le sens venir gros comme une maison, de devoir discuter de ça avec lui, peut-être faire un essai justement pour être, enfin, même c'est sûr qu'il faut faire un essai pour voir ce que ça donne, parce que c'est un effet que j'ai jamais fait avant et qui pourrait être vraiment cool. Alors je me dis, soit le proposer sur la totalité du jeu, de tous les jeux que je fais, soit peut-être, parce que je pense que ça risque de coûter quand même très très cher cet effet, voir si je peux éventuellement faire une édition collector, peut-être, en édition vraiment très très limitée, faire quelque chose de collector. Donc voilà, je suis en train de faire cette petite réflexion. Et en même temps, il faut quand même que je pense aussi à faire le dos des cartes. Alors vous savez, c'est hyper dur pour moi. Je me prends toujours la tête en me disant, oh là là, la boîte, etc. Puis finalement, la boîte, ça passe tout seul. J'arrive très très bien à faire les boîtes, ça me dérange pas. Mais par contre, le dos des cartes, trouver le nom et faire le dos des cartes, ça c'est ma bête noire. Et puis, par contre, le dos là, le nom du jeu, il s'est trouvé tout seul en fait. C'était soit le bout tarot, en fait, c'était juste parfait. Voilà, je trouvais que c'était quand même... Ça se fondait bien dans l'univers. J'ai géré les tasses. Donc, vous allez avoir des petites tasses de Noël, des petites tasses souris. Il faut que je fasse aussi le point sur
sur le nombre d'exemplaires qui me reste de chaque jeu. Bon, alors j'ai plus, presque plus, je crois qu'il me reste moins de 10 premières éditions du Lily Black. Ça, je l'ai vu venir. Oui, exactement, petit oiseau. Je l'ai vu venir. Oui, oui, oui. Donc du coup, je vous ai recommandé des Lily Black en version standard avec des mini Lily Black. Donc là, il devrait arriver en novembre avec le livre et avec le Merry Christmas. Voilà, le Merry Christmas qui lui aussi a une finition aux petits oignons. Donc ça c'est bon, ça c'est géré, je le sais. Par contre, je crois qu'il me reste très peu de journaux de tirage violet. Il faut que j'aille vérifier dans le garage, mais je suis à peu près quasiment sûre que je les avais tous sortis. Eux c'est pareil, je crois qu'il me reste moins d'une vingtaine ou peut-être même moins d'une quinzaine de journaux violets. Donc ces éditions-là, je ne les referai pas après. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à commander ce journal-là. Si je dois en faire un, j'en ferai un avec une couverture différente, j'en ferai un vraiment différent de ce que j'ai fait actuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les journaux de tirage bleu aussi, faut que je vérifie là. Bon, les tasses, il m'en reste moins de 10 aussi. Donc c'est pareil, là, les tasses, la tasse sorcière, il m'en reste vraiment très peu. Et je ne ferai pas tout de suite une nouvelle édition de cette tasse-là parce que j'aimerais vraiment la retravailler aussi. Donc elle n'existera plus de la façon dont elle existait actuellement. Je ne sais pas si le chaudron restera aussi la forme, etc. Je ferai peut-être complètement autre chose. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à prendre ce qui reste en fait parce que je ne sais pas. C'est un peu le produit mystère, ça, la tasse. Et en fait, comme pour cette édition-là, il y avait une faute d'orthographe, au final, j'ai pas vraiment su si c'était un produit qui vous plaisait vraiment, même si je l'ai vendu du coup beaucoup moins cher du fait de cette faute d'orthographe. Je sais que ça en a bloqué pas mal. Donc je sais pas, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, les tasses? Moi, je suis une grande fan de tasses. Donc voilà, je verrai pour celui sur les souris, mais en tout cas j'aime bien quand même. J'aime faire des produits qui me plaisent et que moi j'achèterai aussi. Donc voilà, j'en ferai d'autres, mais différentes, on verra. Je sais pas encore. Je me suis vraiment focalisée sur celui de Noël avec les petites souris. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des badges qui vont arriver. Et ça, je vous en ai pas parlé, ça va être le grand mystère. Je vais vous les montrer dès qu'ils arriveront, mais ça, je vous garde le secret encore de ce que c'est. C'est juste des badges qui vont aller avec l'univers d'Halloween et du Boutarot. Voilà, tout comme les tote bags. Alors, j'ai le soleil, je sais pas comment me mettre. Là, j'ai le soleil dans la figure, ça va pas. Hop. Ça va pas non plus. On va rester comme ça. Donc, j'ai deux tote bags qui vont arriver très bientôt là pour justement toute la saison automnale. Donc celui avec le mug du petit fantôme dans le mug qui est la carte du monde du Boutarot et la carte bien sûr du diable qui est juste géniale. Je veux dire, je pouvais pas ne pas la faire. Aller chercher vos bonbons d'Halloween avec ce tote bag, c'est évident que c'est exactement ce qu'il faut. Donc voilà. Donc il y a ces deux tote bags là, pareil pour l'instant ils sont en édition limitée, j'en ai pas fait énormément, puis je sais pas trop si ce sont des petits produits qui vous plaisent, donc voilà, ils seront au même prix que celui sur le tarot renard, le tote bag du tarot renard, qui d'ailleurs c'est pareil, je crois qu'il m'en reste assez peu, et ça aussi il faut que j'aille les calculer. L'oracle des reflets également, l'oracle des reflets je crois qu'il me reste très peu d'exemplaires. Et puis j'ai laissé un petit peu tout ça passer, je me suis dit je verrai plus tard en revenant de vacances. Et puis finalement les commandes arrivent et il faut que je gère cette partie-là, de compter et d'actualiser sur le site pour être vraiment sûre qu'il n'y ait pas de problème en fait à ce niveau-là. Tout le reste c'est bon, tout le reste il reste encore pas mal de stock, donc ça c'est cool. Mais sur ces produits-là, il faut vraiment que je les surveille et que j'aille, que je m'occupe de ça. Voilà, voilà.
Voilà les petites commandes de la semaine qui vont être prêtes à partir demain matin. Je vous amène à la petite décoration que j'ai faite avec mon fameux tableau. Alors, je sais pas, je vous montre d'un petit peu plus près parce que je suis pas sûre. Vous voyez ici, là, ça c'est. Je l'ai craquelé exprès. Et en fait, je le trouve trop beau. J'aimerais peut-être vous en proposer un tirage d'art en format peut-être A2 pour qu'il soit encore plus grand. Moi, je regrette finalement que bah, j'adore travailler sur des grands formats, mais comme je testais la technique, je regrette en fait de ne pas l'avoir fait plus grand. Donc je pense que je ferai un tirage d'art exprès pour pouvoir l'afficher encore plus grand. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc ça, je vous ai montré comment je l'ai fait dans le dernier vlog. J'ai déjà installé là de ce côté mes petites citrouilles que j'ai faites en porcelaine l'an dernier. J'en ai d'autres encore. Voilà. Et je vous amène dans mon bazar. Voilà. Voilà, donc, ah bah tiens, je vous en parlais tout à l'heure du Lily Black. Voilà, ce sont les tout derniers exemplaires de cette première édition. Il ne me reste plus que cela. Voilà, après, c'est fini. La première édition bah, sera out of stock. Ça fait quelque chose. Je trouve, moi, ça me fait quelque chose. J'ai du papier partout, du bazar, et en fait j'avais pas du tout rangé mon... J'avais rangé toute la maison avant de partir et pas du tout mon atelier, et c'est vrai que là on retrouve des toiles. Moi j'ai utilisé cette grande toile pour vous faire les photos justement du tote bag, que j'ai mis d'ailleurs sur le site. Je vous ai mis des nouvelles photos parce que franchement j'avais même pas eu le temps de faire de nouvelles photos. Donc voilà, là je suis en train de vous filmer les horoscopes avec le très joli message de papillon. Message des papillons d'Alana Fairchild. Vous savez, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci qui est vraiment un jeu très très doux, très tendre. Donc ça, très très chouette. Et j'ai reçu, qu'il faut que je vous montre, alors l'oracle Béline, mais ça fait un moment. Hein. Ceux-là, ça fait un moment que je les ai reçus, je ne vous les ai toujours pas montrés. Le tarot de la sorcière moderne, que j'ai pas mal regardé, j'ai bien aimé. Mis à part la première carte qu'ils ont appelée la folle au lieu du fou. Bon, ça c'est juste, je trouvais ça un petit peu moyen pour le coup. Alors, l'oracle de la lumière blanche, pareil d'Alana Fairchild. Et là, il faut que je comprenne un petit peu le principe. C'est pas un jeu qui se prend comme ça, on tire une carte, il faut vraiment lire le livret, se pencher dessus. Parce qu'il y a vraiment tout un univers. Donc il faut que je l'étudie un petit peu plus. Et l'oracle de la magie forestière de ma copine... Antoinette, qui a fait les illustrations, et elle est en collaboration avec Lyra. Et voilà, celui-ci aussi, alors celui-là, je le gardais précieusement pour la saison de l'automne, parce que franchement, il est parfait pour la saison de l'automne. Magnifique petit galet qui a été peint par Mandalavi, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Magnifique. Magnifique, je vous l'ai montré plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui se promène par là? Une petite citrouille violette à côté du pochon du tarot renard. Ah, j'avais fait en céramique une maman ours, plutôt. Je vais dire que c'est une maman ours. Voilà. Je l'ai récupérée la dernière fois, juste avant de partir en vacances. Voilà, voilà. Et puis là, bah, vous connaissez. Et du coup, ce sont ces deux-là qu'il faut que je vérifie. Celui-ci, je sais que j'en ai vraiment plus beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Et regardez-moi tout ce bazar, ce bazar, ce bazar, ce bazar. Voilà. Donc, il va falloir que je range. Ah, j'ai adoré le CD de Cécile Corbel, le nouveau CD qu'elle a fait. C'est une chanteuse, une compositrice qui fait des choses absolument magnifiques. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs puisqu'elle a fait la musique de Arietti, Le Petit Monde d'Arietti.
en association avec Miyazaki. Ce qui est quand même extraordinaire parce que c'est une chanteuse française bretonne. Donc c'est notre petite chanteuse bretonne qui a réalisé une des magnifiques chansons d'un film de Miyazaki. Et elle a aussi fait une chanson pour Terre des ours, un reportage sur les ours justement qui est aussi une magnifique chanson. Et là, elle a sorti en édition collector un petit peu un CD avec des textes un petit peu poétiques et des petites illustrations à elle en plus. Donc voilà. Et là, il y avait le CD. Voilà, je l'ai écouté tout l'été. En tout cas, tout le mois d'août, plutôt, puisque je l'ai reçu en août. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Regardez ce que j'ai, ce qu'on m'a envoyé. Je l'ai reçu juste en arrivant, donc là je ne l'ai même pas regardé. On regardera ça ensemble, je pense. Je vous ferai une vidéo spéciale. C'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui l'ai demandé pour booster son immunité, ses défenses naturelles, puisque vous savez que j'ai un petit déficit à ce niveau-là. Donc je me suis dit que ça pourrait être un jeu qui donnerait des astuces, bien que on parle juste d'astuces, hein. Bien sûr, ça ne remplace jamais un avis médical, etc., etc. Mais pour avoir des petites astuces au quotidien, je me suis dit que ça allait être très très chouette. Donc on le découvrira ensemble, celui-ci. Et puis je vous en parlerai, on regardera ça, vous me direz ce que vous en pensez comme ça aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et la fameuse petite tasse. Ma petite tasse chaudron qui est là, dans laquelle j'ai mis tout. Voilà, on finit toujours par se retrouver à mon bureau. Hein. ben voilà, il va falloir que je range un petit peu tout ça. Et puis que je fasse un plan d'action pour les prochains mois, pour la fin de l'année. Vous êtes nombreux à me demander quand va sortir le Merry Christmas, hein, qui est ici. Donc il arrivera en même temps que le livre sur les Lily White, Lily Black, sur également la version mini et la version standard du Lily Black. Donc moi je vais tabler novembre, hein, pour voir un petit peu large. Puis on n'est pas à l'abri de confinement, etc., etc. En novembre, et oui, je ferai bien des précommandes avant. Mais je ne sais pas exactement quand. J'attends vraiment en fait d'être sûre que le jeu soit envoyé. J'attends qu'il soit sur le bateau, qu'il arrive jusqu'à... qu'il soit en route jusqu'à chez moi pour me dire c'est bon, là je peux compter autant de jours et c'est bon, on peut du coup lancer les précommandes. Voilà, voilà. Donc je vous ferai ça et puis ben, je vous réserve des petites surprises. Ah oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Il y a une surprise pour septembre. Je vous ai fait une carte postale en édition limitée. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, j'attendrai un petit peu avant de vous la montrer, mais il y a une carte postale tirée du Boutarou en édition... je ne sais pas si c'est en édition limitée, je n'avais pas prévu d'en faire plusieurs, mais en tout cas elle est vraiment spéciale et je vous l'offre dans toutes les commandes que vous allez passer pour le mois de septembre. Donc tout au long du mois de septembre, si vous passez une commande sur le site, ben, je vous offre cette carte postale et un petit bonus aussi en plus. Voilà, donc c'est pour fêter la rentrée aussi, et puis j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis à très bientôt. Bye bye.